Par exemple, quand je fais prénom, et que prénom, je dis Mamadou. Et là, je dis lire prénom. Et là, je dis prénom. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais la différence, c'est que avec l'affectation, hein, en lisant l'algorithme, tu sais déjà quelle est la valeur de prénom. C'est incompréhensible. Parce que comme en lisant seulement l'algorithme, tu vois déjà que prénom, sa valeur, c'est Mamadou. Mais maintenant, avec lire, tu peux pas dire, en regardant l'algorithme, tu peux pas dire la valeur de prénom, c'est Mamadou. Non, tu peux pas savoir sa valeur de prénom. La valeur de prénom, tu peux le savoir que lorsque cet algorithme sera exécuté par la machine. Parce que, arrivé à cette ligne, la machine te dit de saisir au clavier la valeur de prénom. Voilà la différence entre affectation et lire. Avec l'affectation, en lisant simplement l'algorithme, on peut savoir la valeur de l'objet. Et ici, la valeur de l'objet, c'est Mamadou. Maintenant, avec lire, tu peux pas, tu sais pas, en regardant l'algorithme, tu ne peux pas savoir la valeur de prénom. Tu peux le savoir simplement lorsque l'algorithme sera exécuté par la machine. Parce qu'arrivé à l'instruction lire prénom, la machine va te demander de saisir au clavier la valeur de prénom. Alpha, est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends la différence entre lire et affectation? Et les autres aussi, est-ce que vous comprenez la différence? Si vous comprenez la différence. Bon, c'était ça, hein. C'était ça l'exercice. Et c'est. Le TD est terminé, hein. C'est la fin du TD. On va regarder le travail de Ndaï. Algorithme, information, nom, prénom, as, UFR, adresse, début. Veuillez saisir votre. Ah, c'est bien. Lire Mamadou, quelle est votre filière? Lire UVS. Écrire les égations Mamadou Diop. Ah, tu étais dans la voie. Hein? Tu étais dans la voie. Mais. C'est-à-dire là, pourtant, elle n'était pas loin. T'écris vraiment quoi? Elle n'était pas vraiment loin. Alpha Baïkagne, ouais. Elle n'était pas vraiment loin. Parce que regarde, lire Diop, tu le remplaces, tu remplaces ça par N. Parce que tu as déclaré comme N étant le nom. Tu remplaces Diop par N. Et. Non, ouais, oui, N. Et Mamadou, tu remplaces ça par P. Tu dois mettre lire P. Et quelle est votre filière, UFR? Tu dis pas lire UVS, mais lire UFR. Bon, écrire où habitez-vous? Bon, où habitez-vous? Je sais pas comment, qu'est-ce que tu as écrit? Où habitez-vous? Je sais pas. Mais en tout cas, je comprends. Zingensor, tu remplaces ça par adresse. Et aussi, tu donnes l'âge, hein? Tu donnes l'âge, tu ajoutes l'âge. Et maintenant, écrire, tu vas pas écrire Mamadou Diop, tout ça là. Non, non, tu vas pas écrire ça. Tu écris, c'est ce que tu dois écrire, c'est ça. Maintenant, c'est ça que tu dois écrire, ça. Tu dois écrire ça. Je vois que tu étais sur la voie, hein? Tu as fait des erreurs, mais. Tu étais sur la voie et tu as réfléchi. Tu as réfléchi dessus et ça, je l'encourage. Hein. Même si tu n'as pas trouvé,
Tu as réfléchi dessus et tu as proposé une solution. Et ça, c'est excellent, c'est très courageuse. Et maintenant, tu vas comprendre. Tu vas comprendre l'exercice, la correction de l'exercice beaucoup beaucoup plus vite que les autres parce que parce que toi tu as déjà préparé. Bon, et bon courage, hein. C'est la fin de. Tu peux, Mohamed, tu peux me montrer le document que je t'ai envoyé, après je te montre ce que je pensais là. Ah, le document. Le document, le document. Ce document, hein? Ah, tu as fait les 5 toi aussi. Ah, on va te dire, mon mari n'est pas là. Il y a un algorithme qui. Je m'appelle Alpha. Oui, information de l'étudiant, nom, prénom, HN, caractère. Là, nom, dialogue. J'ai utilisé. C'est ça que je veux dire. Parce que tu as utilisé l'instrument d'affectation, mais la consigne, c'est d'utiliser lire. On t'a dit d'utiliser lire sur la consigne. On t'a dit, regarde ici, lis. Lis, ça veut dire lire. C'est la consigne, quoi. Bon, la démarche elle est bonne. Simplement, il faut, au lieu d'utiliser l'affectation, tu dois utiliser lire. Bon, attends, tu as utilisé affectation, non, tu as dit lire, non. Ah, Alva. D'accord. Alva, Et la forme? Ça devient un peu un amalgame. Alva, tu as fait la. Tu as fait la même chose. Parce que tu t'es dit que l'affectation. Ouais, c'est une répétition, merci. Tu as fait une répétition. L'affectation et lire, ils font la même chose. Mais le problème, moi, leur différence, moi, l'affectation, déjà, en lisant simplement le grimoire, tu connais la valeur de nom. Parce que regarde, ici, nom, dialogue, n'est-ce pas? En lisant ça, tu connais déjà la valeur de nom, c'est dialogue. Tu es d'accord? Mais oui. En faisant lire non, tu peux pas tu connais pas à l'avance la valeur de non. Parce que la valeur de non, tu vas le saisir au clavier au niveau de la machine, donc tu peux pas le savoir. C'est ça la différence entre affectation et lire. D'accord. C'est ce que j'avais passé. Le reste. Tu supprimes ça, tu le supprimes, ça, tu le supprimes, et ça aussi, tu le supprimes. Bon, c'est comme d'ailleurs, tu as fait comme d'ailleurs, écrire, saisir son âge, tu as fait comme d'ailleurs. Tu supprimes ça aussi, et ça aussi, tu le supprimes. Ah, super, hein, super, c'est super, hein. C'est vraiment excellent. Hein. Écrire, je m'appelle. Prénom, non, mais ici il y a de l'espace. Hein. Il faut ajouter de l'espace ici. Ici, comme je l'ai fait, hein, comme on l'a fait avec la solution, il faut ajouter de l'espace. C'est cet espace, quoi. Tu vois, il faut ajouter cet okay, espace. D'accord. Il faut ajouter cet espace, quoi. D'accord. Et là, je m'appelle Prénom, non. Écrit, tu as oublié un ici. J'ai âge 1. Ah oui. Tu as oublié un. C'est pourquoi j'ai pas mis 1. Parce que dans l'affectation, j'avais mis âge, je reçois 18 ans. Le 1 avec. Mais c'est excellent. En préparant les exercices, c'est là que tu parviens à voir tes erreurs. Et là, quand on corrige, ça va devenir beaucoup plus facile. Écris j'ai âge, et là tu ajoutes 1. Écris université 2.ufr, là il n'y a pas de problème. J'habite à, il n'y a pas de problème écrire. Ah, super, hein? C'est super, hein? Bravo, hein? C'est toi, tu l'as fait avec Malik ou bien? Bon, Malik, on l'a fait, on a rassemblé, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas présenté. Bravo, hein?
Bon, on fait, après chacun montre.